Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Alandron pour le 41e déjà épisode de mon Let's Play sur le jeu Mountain Blade Warband. Vous qui adorez ça, et ben vous allez être servi. 41 épisodes, ça fait quand même beaucoup. Alors, je vous avais laissé la dernière fois, et ben on était plus que 37 parce que j'en ai perdu 25 bêtement. Non, il faut que j'aille par là. 25 bêtement contre une armée de fous. Oh, Pagundo a été pillé quoi. Ils sont 48 et ils me fuient alors que je suis 37. Complètement what the fuck. Ah, personne. Je voudrais que des gens viennent avec moi. Attendez, on va passer à Suno si j'ai pas des trucs à vendre. C'est-à-dire qu'il faut tout recommencer encore. Ah. Piège. 0 points de dégâts. Je suis tellement un warrior. Oula! Boum! J'ai pris quelques points de dégâts. Un héros. D'accord. 400 deniers, bon, ça va. Encore un héros, bah ça me fait penser que... Attendez, on va regarder. Je vais vendre mes trucs. Oula. Il y a du bruit dehors, je suis désolé, il y a des voitures. D'habitude, il n'y a personne, je suis au fin fond d'une impasse paumée, donc normalement, il devrait y avoir personne. Bah non. Il y a du monde, pour une fois. Voilà, je me suis remboursé mon héros. Il me faut 5 héros, évidemment j'en ai que 4. Est-ce que j'en aurais pas perdu un? Non, non, je crois pas. Ah si, bah il est là le dernier. On a les 5 héros, maintenant il faudrait juste qu'on ait 100 personnes dans la compagnie pour réaliser les défis. Il faudrait que je refasse un petit peu. Enfin, faut que je revoile un peu les défis que j'ai fait. Château d'Ergelon, il faut que j'aille au château d'Ergelon qui est par là. Ok, d'accord. Juste on passe à l'Indiat. Passons au château d'Ergelon. Y'a personne qui veut protéger mon village là parce qu'il y a. Ah, mais je crois que Sertuya, on s'en fiche, c'est. On n'est pas en guerre contre eux. C'est le royaume des Nords, on s'en fiche un peu. Allez, allez à la grande salle. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Y'a deux dames. C'est juste fini ou. Je suis la fille de Contrelan, sœur de Contnesha, fils de Tamelisa. D'accord. 0 à moins 2. Épouse de Contrelan. D'accord. Mais il y aura personne en fait, enfin il n'y a personne là. C'est bizarre. Je suis arrivé trop tard. Allez, c'est bon, t'as de sa mèche pillée. N'importe quoi. Ouais, du côté des mers. Et moins 444. Génial. Ok, 61. C'est bien. C'est bien, c'est bien. On commence à reprendre un peu du poil de la bête, comme je dis toujours. Améré à Contrelan. On a récupéré Améré. Ah oui. Il reste ces deux-là à choper. Et après, il faudra continuer à s'étendre par là, par là. L'idéal, en fait, ça serait de choper soit bah, peut-être Evadine, comme ça au moins on aura un superbe avant-poste bien placé. Ça serait très très cool. On va aller du côté de Buvran. Des bandits du montagne, il y en a 40. 4, donc ça fait 65. 65, sachant qu'on peut monter à 87 autant.
Monter à 87. 68, on va remonter du côté de Chélez. Ah, traité de paix entre le royaume de Vaiguer et des Nords a expiré. Donc bon, ça m'embête. Personne ne veut venir, c'est pas très grave. Jamiche. Oh, 1000 grâce à... gagnés grâce à l'entraînement. Pas mal de soldats qui sont prêts à être promus. Oula, assiégé. Ça a l'air d'être le foutoir par ici. Non. Là, c'est pas possible. Alors, attendez. Faudrait peut-être que je remonte du côté de Dirim. On va voir. Non, je crois que si Tibstin, je l'ai tellement pillé qu'il doit être pas content. Ouais, hostile. Parce que je me disais. Je peux arrêter de piller Tibstin, donc c'est normal. Ah, et 78, plus que 9. Plus que 9, et ça sera bon. Allez, plus que 4. On va aller à Escuru. C'est bon. Les 87 sont là. On va d'ailleurs entraîner quelques recrues. Enfin, on va les améliorer. Oh, 28 prêts à être améliorés. Ça a commencé à me coûter cher tout ça. Alors. Alors. 87, c'est bien, c'est très très bien. Et alors, château de Dercios, il y a combien de personnes? Ils sont... Ah oui, il y a quand même un peu de monde. 47, 37, 48, ah non, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, il y a des gens qui se reposent, il y a des... Gugus qui sont bien posés. N'empêche, tellement mal posé, t'as de sa mèche comme endroit. Pff. Il y a un ménestrel, un rançonneur. Tiens, j'ai quelques prisonniers. Voilà. Il y a qui là? Ok. Bon. Que se passe-t-il par ici? Il y a des gens qui vont un peu partout. Du coup, on pourrait essayer d'attaquer. Non, un geeké, ça serait chaud. On va voir le château de Dramu. Combien il y a de personnes? 111. Ah oui, 111, bon, ça fait beaucoup. Alors, attendez. Il appartient au boyard Valinich. Coucou. Quoi, tu me poursuis? Tu me poursuis alors qu'on est 52? Enfin, on est 87 et toi c'est 52? D'accord. Bon, t'as de sa mèche, ne fais rien. Qu'est-ce qu'on va faire? Château de Knudar. Qu'est-ce qu'on peut bien faire maintenant? Parce que là, c'est un peu la galère de s'aventurer dans le coin. 286. Ça fait quand même beaucoup. Comte j'allais dire Gul'dan, mais non, ça c'est dans Warcraft. Comte Gutlan vous fait savoir qu'il veut que vous rejoigniez sa nouvelle campagne militaire. Sauf qu'il est où le comte Gutlan? Sachant que là, Dirim est assiégé. Oulala. Be careful, faudrait vraiment reprendre ce château quoi. Ouh là là! Il y a genre un peu beaucoup de monde là. Bon, 87 contre 40, j'y arriverai, mais. Ils vont récupérer Dirim. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Non. Alors attendez. Note. C'est le comte Gutlan.
Il était près de Rhin là. Qui est là-bas. Qui est pas à côté. C'était il y a un jour. On va passer par là. J'aurais dû demander à Comte Felsvor. Personne? Pas de trouille ennemie récupérée près de Purglen. Ah. Comte Ferchin. Pas si vite. Je veux savoir où est. Attendez. Près de Huskal. Ils vont récupérer Dirim, ça m'embête, ça m'embête. On n'arrête pas de se le faire repiquer. Ah, bah du coup je l'ai raté. Dommage. Bon, Dirim a été récupéré, il faut vraiment qu'on refasse ça. Ah oui, du coup, Burglen. Oh la vache. Bon bah, on va repiller Tibstin alors. Hein. J'ai envie de dire. After Constructive. Emirim. Bon bah, ok, je récupère Emirim. Emirim qui est. Juste. En train d'être pillé, mais. Oh là là. Château d'Erguelon. Attendez. 87 contre 132, c'est possible, mais ça va être chaud. On va essayer. Eh merde, c'est quoi ce terrain, quoi? 87 contre 132, j'aurais pas dû appuyer sur la touche espace. Bon, allez, après, on a un certain avantage, c'est le fait que le terrain soit vraiment horrible. 87 contre 132, quoi. Ils sont en face. Ils sont en face et descendent la colline. Ça sent les morts. Non, attendez. Non, c'est pas ça. Avancez de 40 pas, vous êtes où? C'est pas ça que je voulais faire. Attendez, avancez de 10 pas, ça serait cool. Peut-être avance encore de 10 pas. Yes, vous êtes bien ici. D'ailleurs, moi je vais descendre de cheval, sinon je vais arrêter. Je vais me casser la figure. Qu'est-ce qu'ils font? Ah, ils montent par l'autre côté. Par l'autre côté. Toc, et un de moins. D'accord, ils se sont mis juste comme ça. Je me fais tirailler. Vous voulez pas avancer là? J'adore la façon dont ils sont déployés. Vous sentez que l'IA, elle est
Au top. Pire façon de se déployer au monde. Bon, je suis que dalle. Sauf que je veux pas les attaquer non plus. Et ils font qu'avancer et reculer. Ça va être vite long. Allez, venez là. Allez, un par un. Voilà. Avancez un par un. Allez, avance. Non mais un par un c'est cool hein. Attention, j'ai subi 2 points de dégâts. Allez! Allez! Ça va être techniquement très long. Ils sont quand même 132 à faire comme ça. Oh, ça va être chiant. Oula. 4 points de dégâts. Ok, d'accord, là ils sont plus que un peu plus. Aïe. D'accord, c'était Boyard Bidule. Oh la vache, je suis presque mid-life. Bon, il y a des renforts qui arrivent chez eux ou pas? Bon, il y en a qui arrivent. Ah, ils arrivent par là-bas! Ah, la bande de petits saligots. Voilà. La bande de petits saligots, quoi. Ils arrivent pas au bon endroit. Et merde, l'arbre! Ah la vache, je suis tellement pas au bon endroit, quoi. Ok, on a eu un mort, sachant qu'eux ils en ont eu bien plus. C'est quand même cool. Ils arrivent tous un par un. Alors, ils arrivent les autres? Ouais, ça arrive, ça arrive. Ouh!
La lance couchée, merde. 3 tués, 3 blessés, en face 50 tués, 7 blessés. 83 contre 75 et ça passe. Ça passe. Et ce que je vous propose, c'est qu'on arrête là l'épisode. Comme ça, on verra dans le prochain épisode si on va arriver à défoncer ce boyard Doru qui me fait un petit peu... Ouais, qui me fait chier, ouais. On va dire ça comme ça. Parce que là, il arrive vraiment au mauvais moment. Je pense que je vais l'éclater et après, on récupérera 2-3 unités parce que je pense qu'on va être un peu mal en point. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et puis voilà, voilà. Allez, salut à tous !